François Richer, bonjour. Ben, bonjour. Merci de nous recevoir et de nous accorder cette interview. Alors, votre film Mayday sort le 25 janvier prochain. C'est, alors, le titre original, je crois que c'est Plane, hein, si je ne dis pas de bêtises, en anglais. Et c'est votre 10e film, si je ne dis pas de bêtises aussi. Vous comptez, oui. Je vous laisse compter. Eh ben ouais. Ah, vous n'avez même pas compté. Eh ben non. C'est ouais. Le 10e. Ouais, c'est le 10e film. Ça se fait quand même 10. Ah ouais, je commence déjà à avoir de la bouteille. Ah ouais, c'est le 10e film, ouais. C'est ouais, déjà pas mal. Eh ben oui. C'est bon, ça va être le dernier. Hein. Il y a des réalisateurs comme ça, le 10e, j'arrête. Mais enfin, quoi, tu n'arrêtes jamais. C'est Tarantino qui a dit ça. Oui, bon, on va voir. On verra, ouais. Bon, on verra. Parle, ça parle, mais effectivement. Non, ouais. Ouais. Bon, 10e film en tout cas, production américaine. Oui. Américaine. Et puis, ce que je voulais dire, c'est un exercice auquel vous êtes plutôt habitué. Alors, ma question, c'est de savoir comment le projet Mayday vous est arrivé entre les mains. Déjà, on m'a proposé le scénario. Il y avait déjà l'acteur qui était attaché, on dit ça, ouais, on dit ça comme ça en France, ouais, aussi, attaché au scénario. Donc, ils cherchaient des réalisateurs. Ils ont vu les Mérines et ils ont vu l'Empereur de Paris. Tu es l'un d'eux. Et ils m'ont proposé. Donc je l'ai lu, j'avais des réserves, j'en ai parlé aux producteurs, il y avait 7 producteurs à l'époque, et à Jerry, et ils étaient d'accord avec les changements que je voulais faire, ils ont réécrit, d'accord, ils ont fait réécrire, ils me l'ont proposé, et puis on s'entendait, et puis on se parlait quand même toute l'année, on se voyait 2 fois par semaine quand même, tu vois, et ouais, puis avec Jerry, on s'est super bien entendu, on avait la même vision du film. C'est-à-dire que moi, je déconseille aux jeunes réalisateurs, ou même aux anciens, de partir sur un film si on n'a pas, si on n'a pas l'intention de faire le même film en commun. Ça veut dire que ça ne peut pas bien se passer si, on, par exemple, si moi, j'ai une idée d'un film et l'acteur une autre. Ouais. Déjà, il y a beaucoup de problèmes pour faire un film, et c'est normal, c'est inhérent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qu'on doit gérer, il y a beaucoup de tensions, de pressions. C'est évident qu'à un moment, il y a des clashs. Mais au moins, si on fait le même film, on est toujours ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Jerry voulait faire le même film tous les deux, quoi. Donc, et le producteur suivait, nous faisait confiance. Donc j'ai dit à Jerry, écoute, on part. Okay. Et puis voilà, je suis parti, puis je l'ai fait, quoi. Ça a été en fin de compte assez rapide. Oui, il était tourné quand, ce film-là? Il a été tourné. Attends, pendant la pandémie? Ouais, pendant la pandémie, pendant les grandes vacances, je crois. 2020 ? Été 2020 ? Ah non, on est en 23 là, t'imagines. Bon, on est début 23, mais... Je suis nul dans les dates. Non, en 21, en 22 même. 21-22 ? Ah ouais, ouais, attends. Ah, c'est récent alors ? Ah bah oui, ah, mais quand je te dis ça a été rapide, c'est que la décision de quand ils m'ont contacté et que je sois validé officiellement, ouais, ça s'est fait super vite. Ah, mais vous avez enchaîné tout de suite après, quoi. Ouais, l'écriture, la réécriture s'est fait super vite. Après, on a enchaîné les rendez-vous et puis ça s'est fait, quoi. Ça a été assez vite. J'étais pas parti pour faire ça, d'ailleurs, au début. Ouais. Je voulais faire un petit film après l'Empereur de Paris. Ouais. J'avais contacté un producteur, j'ai dit j'ai envie de faire un petit film. Bon, c'est quand même des gros budgets, mais même en France. Mais j'ai dit j'ai envie de faire un petit film à 6-7 millions, un petit thriller en France. Et puis j'ai commencé à travailler. Je vais le faire, d'ailleurs, je pense. J'en suis sûr que je le ferai, je sais pas quand, mais je vais le faire. Et on me propose ça, et je dis, oh, c'est encore plus gros que l'Empereur de Paris. Quoi. Ah ouais, tu sais, je voulais. Ouais, bah, je voulais moins de pression, quoi. Ouais, c'est la pression, puis dès que t'es la salle, tu sais, il faut en vouloir, hein, pour sortir en salle maintenant. Alors, grâce à Dieu, ça marche aux États-Unis, donc merci. Ouais. Mais il faut en vouloir, hein, des fois. Je résiste aux sirènes, on va dire, pas de la facilité, parce que c'est jamais facile de faire un film, mais aux sirènes des plateformes. Ah ouais, bah, parce qu'il n'y a pas de pression, il y a beaucoup plus d'argent, il n'y a pas de pression. Mais c'est quoi qui vous freine justement? C'est quoi ça? Pour vous, c'est faire un film de moindre qualité d'être sur une plateforme? Non. C'est Godard disait un truc génial. Hein. Quand tu es au cinéma, tu as la tête en l'air. Quand tu regardes la télé, tu as la tête en bas. Ouais, ce truc, il est simple. c'est simple. Une perte d'inattention. Ouais, puis on regarde maintenant les jeunes, et je critique pas parce que moi je suis un vieux con, tu vois, mais ils regardent ça sur des téléphones. Ouais. C'est comme ça. Moi, je vois encore des gens quand je prends l'avion, qui regarde Mesrine sur leur tablette. On dit pas Mesrine, on dit Mérine. Comme tu dirais, Miroménil, pas Miromesnil, ou... Tu dis quoi, Rosnis ou Bois? Ok, Mérine. Ça me rend fou, mais en même temps, je suis fier. Parce que ça veut dire que, ouais, même 15 ans après, le film, il est là, tu touches une nouvelle génération.
Et puis voilà, tu vois, c'est comme ça, tu vois. On peut pas aller à l'encontre de l'évolution. Non, il faut l'accompagner. Exactement. Et, et je suis content parce que là, il y a le boss de Lionsgate qui m'a appelé hier soir, qui m'a son enthousiasme des chiffres. Et il me dit, c'est le premier film, premier film d'action après pandémie, hors super-héros et hors franchise, où on fait beaucoup plus que ce qu'on pensait, en chiffres. C'est d'ailleurs ma deuxième question, justement, parce qu'il est sorti là il y a quelques semaines aux États-Unis. Ouais. Donc moi, je suis allé voir sur Rotten Tomatoes, 74% de moyenne pour la presse, 95% pour l'avis des spectateurs. Ouais. Donc super accueil. Ouais, c'est le meilleur film de Gérard Butler. Alors, est-ce que vous vous attendiez justement à un accueil aussi chaleureux? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, on a quand même un petit truc qui fait que ça peut cartonner auprès du public, plus certainement américain? Vous savez, je ne m'attends plus à rien. Ah ouais? Non, c'est-à-dire que moi, je suis toujours... Lionsgate, il me faut, le producteur, il me fait, putain, mais c'est ce que j'étais à la première, il me fait, t'es assez solide, quoi, t'es solide. Je lui dis, écoute, c'est la vérité. J'ai fait le. Alors, toujours pareil, dans un budget donné et dans un cadre donné, j'ai fait le meilleur que je peux. J'ai pas de regrets. Après, on peut être un incompris. On peut, tu vois, on peut dire, ouais, j'ai raté, mais tu vas t'en apercevoir après coup. J'essaie toujours de faire. Je pense que le diable est dans le détail, il faut jamais lâcher le détail. Parce que quand tu lâches un détail, tu en lâches un deuxième, tu en lâches un troisième, et la fatigue fait que, parce que c'est éprouvant quand même, hein, la fatigue fait que tu acceptes des choses que tu n'aurais pas acceptées. Mm. Donc il faut être assez perfectionniste. Et puis moi, je me considère comme un artisan. Même si je suis au sein d'une industrie qui est hollywoodienne, j'ai bossé comme en France, comme un artisan. J'ai eu une paix royale. Tu vois, à la fin, c'est mon montage. Ouais. Je ne me suis pas fait écraser. Parce que je suis syndiqué là-bas, donc tu as des droits, donc tu montres, en tant que metteur en scène, tu montres ta version. Tu montres la version que tu as montée. Après, eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font des tests screening. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et ils ne prennent pas de risques. Hein. Ils vont faire comme le public il aime. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils additionnent, donc tu as des salles de 400-500 personnes, nous on a fait deux salles. Ils additionnent les avis excellents et très bien. Même pas les biens. Hein. Mmh. Excellent et très bien. Ils pouvaient faire les biens. Non, non. Excellent et très bien. Et si sur un film d'action, tu as 72% de ce total, c'est déjà extraordinaire. Et nous, on a eu 89. Ouais. Ce qui est vraiment assez vérifiable. Hein. On a eu 89. Et là, tu as le studio qui fait... Ils sont pas là pour t'embêter. Par contre, ils te donnent des notes. Tu fais ce que tu veux. Tu prends, tu prends pas. Tu essayes, tu essayes pas. Tu as 89%, tu fais ce que tu veux. Alors, juridiquement, juridiquement, tu n'as pas le final cut. Mais dans les faits, tu l'as. Mais moi, quand j'ai bossé, par exemple, sur Asso, sur Central 13, c'était à Focus Feature, donc c'était Universal, et j'ai bossé là avec Lionsgate, c'est des gens intelligents en haut. Mm. Donc les notes, tu les prends. Ouais, bien sûr. Et tu essayes. Mm. Et je me suis aperçu, c'était la même expérience sur Asso que sur Mayday, c'est que 50% de leurs notes, elles sont intelligentes. Enfin, elles sont toutes intelligentes, mais il y a 50% qui up encore le film. Mm. Donc moi, je les intègre. Et puis, vous savez, à la fin, tu sais plus qui a fait quoi, les notes. Tu dis ça vient de moi, ça ou ça vient pas de moi. Tu sais ce que tu apportes sur le tournage, à l'écriture, mais au montage, ça devient. Ah bah oui, j'imagine. Tu vois, c'est là les versions, tu vois. Mais en France, ça marche pas comme ça. On n'est pas dans le même système américain où on. Non, en France, ça marche pas. Ouais. Non, mais. Il devrait pas justement l'adopter un petit peu ce système. Il faut un entre deux. Le problème, c'est ce qui est bien aux États-Unis, c'est que ça remet le réalisateur à sa place de. Pourquoi il est là? Et moi, depuis mon premier film, j'ai cette image-là. Alors avant, j'usurpais un peu ce titre en disant j'étais le vieux chef indien qui raconte des histoires. Sauf que j'avais 25 ans, j'étais pas un vieux. Maintenant, j'en ai 55 et je me vois dans cette position d'être vieux chef indien autour du feu et qui dit « il était une fois ». Et aussi bien à des gens au-dessus de ma génération qui ont pu me suivre, aussi bien à ma génération et maintenant aux jeunes. Et moi, j'essaie toujours de faire un film différent à chaque fois. Et là, c'est leur montrer l'amour du cinéma que j'avais des films des années 90. L'amour, tu vois, où on suivait un personnage qui n'était pas forcément un super-héros, un personnage qui était un peu lambda et qui souffrait aussi. Un peu cet archétype, tu vois. Et de transmettre ça, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas ça, les jeunes, quand même, maintenant, tu vois. Et c'est d'essayer d'apporter ce truc-là. C'est génial parce que vous faites la transition avec ma troisième question qui était le fait que moi, enfin j'ai le sentiment que ce qui a plu au public, en tout cas déjà américain, et ça a été aussi mon cas hein, quand j'ai vu le film il y a 15 jours, c'est que Mayday, enfin, il essaye jamais d'être autre chose qu'un bon gros film d'action
Je pense que dans les années 90, il serait sorti en plein été, quoi. Ça aurait été le summer blockbuster de l'époque, largement. Ah bah bien sûr. Voilà. Et que, et en fait, j'ai l'impression que les gens sont en demande de ce genre de films qui ont quelque part disparu. Est-ce que je me trompe? Est-ce que justement, il y a cette envie de revenir aux sources quelque part? Je t'aurais dit, je ne sais pas avant qu'il sorte. Et puis, en fin de compte, maintenant qu'il est sorti, et alors, moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, j'ai ouvert mon Twitter il y a 4 jours et c'est hallucinant. J'ai fait play une movie, mais les gens ils l'ont vu déjà 3 fois. Il y en a. C'est dithyrambique. Et puis, j'essaie d'analyser le pourquoi, au-delà de la facture. Et puis, je m'aperçois, alors, je parle pas de qualité, c'est pas comparable au box-office, mais je m'aperçois, c'est quoi les deux gros, plus gros succès du box-office de l'année dernière? Maverick, c'est super classique. Dans le respect, on va dire, un mâle blanc de plus de 50 ans qui brûle du kérosène. Et tout le monde trouve ça génial. Ouais. Parce que ça parle à nos tripes, ça parle à notre mémoire. Et puis, Avatar, avec une structure assez classique, avec une famille classique, le père, c'est le père, la mère, c'est la mère, les enfants, c'est les enfants, il n'y a pas ils sont, c'est des enfants, tu vois, il n'y a pas de trucs chelous qu'on va chercher. Pas besoin d'être alambiqué, quoi. Voilà, et ça marche, et en fin de compte, ça parle à ce qu'on est depuis 2000 ans. Tu vois, avec une structure que maintenant, moi je suis contre, par exemple, tout ce qui est déconstruction, tous ces trucs. Enfin, ça fait 2000 ans que ça existe, il y a une raison. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre pour plus de droits, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à un moment, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Quoi. Non, tu vois, moi j'aime bien qu'on jette l'eau du bain, mais on ne va pas acheter le bébé. Et là, on est en train de jeter le bébé. C'est-à-dire que maintenant, on pense tout le temps, il faut être bien pensant. Et là, moi je voulais faire un film qui parlait directement aux tripes. Tu vois, presque, on va dire, à ton cerveau de lézard, quoi. Tu vois, à ton cerveau, ok. Puis on est content, on applaudit. Binaire. Pas binaire, parce qu'en fin de compte, les blancs sont pas si blancs que ça et les noirs sont pas si noirs que ça. Et c'est pas tout à fait binaire. Mais avec des archétypes qu'on puisse en jouer. Tu sais, par exemple, Léon, il a fait que ça toute sa vie. Il prend un archétype, même plus qu'un stéréotype, et puis il en joue. Tu vois, quand on me dit, ouais, ça peut être stéréotypé, ça peut être. Ouais, d'accord. Ça peut être générique, ouais, d'accord. Tu prends le scénar de Tu vois dans l'Ouest, il n'y a pas plus générique que ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il arrive à en faire? C'est juste un chef-d'œuvre. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir des bases. Et puis surtout, moi, ça me fatigue de plus en plus le cinéma où justement le réalisateur se croit plus intelligent que le public. Et regardez comment je suis intelligent. Ouais. Ouais, bah à la fin, tu fais 40 000 entrées, quoi. Et moi, j'ai rien contre faire 40 000 entrées, tu vois. C'est-à-dire que, mais il faut que mon film, il coûte 40 000 euros. Moi, je suis prêt, hein. Moi, j'ai des films que j'écris tout le temps, je peux les faire pour 40 000 euros. Hein. Après, c'est le temps qui me fait que c'est difficile à faire, parce que la mise en place et tout ça. Mais je peux le faire à 40 000 euros avec ces caméras-là. Hein. Ça, c'est la force maintenant. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, ça, ouais, c'est ouais, la force. Ouais. Hein. Je suis même étonné. Gondry, il filme avec son iPhone. Voilà, mais je suis même étonné qu'il n'y a pas plus de jeunes qui prennent ça. Parce que le problème, c'est que ça, c'est accessible. Mais le travail d'écriture, de préparation, en vrai, il n'est pas incompressible. Et ça, ça demande énormément de temps. Bah, il y a quand même une nouvelle génération qui vient d'Internet, qui, du coup, a aussi les codes du fait main, moins de moyens, et qu'ils arrivent à raconter des belles histoires. Je ne sais pas si vous avez vu le Visiteur du futur, là, de François Descraques. Non. Là, c'est des gens qui viennent de YouTube, d'Internet, et qui ont fait un super... Oui, mais la somme de travail, même si la caméra est plus accessible, évidemment, avant, c'était en argentique, la somme de travail pour arriver à une qualité acceptable, elle n'est pas incompressible. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a deux nouveaux types qui ont débarqué, le Clodo a disparu, je suis perdu. Moi, par exemple, j'ai fait mon premier film État des lieux avec 20 000 euros. C'était en argentique. Rien que pour réunir une équipe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait appeler les gens, il fallait voir les films, vous regardez les génériques, appeler les gens qui, évidemment, moi je venais de banlieue, t'es qui bah, rien que pour avoir un chef-op, je te raconte pas qu'il fallait 2 ans. Il fallait 2 ans. Puis après, il fallait monter une entreprise pour pouvoir, sans thunes, moi je suis un mec de banlieue à la base, sans thunes, une maison de production pour pouvoir louer du matériel. C'était hallucinant. Maintenant, ça, c'est 3 ans de ma vie, là, je sais économiser grâce à ça. Ouais. Par contre, le fait de réfléchir,
comment réaliser un film, analyser des films, pourquoi ce réalisateur il coupe, pourquoi il fait un travelling, pourquoi il fait un plan séquence, pourquoi il a une courte focale, pourquoi, voilà, toutes les questions. Ça, ce temps, il est incompressible. Ouais. Et c'est ça peut-être que les jeunes ne comprennent pas, c'est que ce temps de réflexion et d'apprentissage, il faut passer par là. Et c'est des années. C'est des années. Et puis une fois que vous savez, vous faites ça, vous faites un film en une semaine. Hein. Il faut qu'il soit écrit pour ça. Le storyboard aussi, ça aide. Ouais, enfin moi je ne crois pas trop au storyboard, moi, parce que c'est de la bande dessinée. Tu penses storyboard si jamais tu sais que tu as mis en scène dans l'espace. Et après, tu fais le storyboard pour expliquer à tes techniciens ce que tu veux. Parce que quand tu penses storyboard, tu ne penses pas hors champ. Ça se fait de moins en moins, ça ? Non, tu le fais. Moi, pour les scènes d'action, je le fais. Ah, d'accord, ouais. Sauf que j'ai ma mise en scène, moi, globale, déjà. Et je fais un storyboard pour que les effets spéciaux comprennent. Tu vois le truc ? Et puis après, je peux m'en séparer, parce que qu'est-ce que c'est que faire un film? Sinon, on fait des films mécaniques, c'est aussi être à l'affût de l'incident. J'allais dire accident, c'est trop fort, accident, mais de l'incident. Tiens, un acteur qui ne fait pas tout à fait ce que tu avais prévu, pam, toi, tu dois être prêt pour le capter. Tu vois? Ou même au montage, des fois, tu dis, oh merde, j'ai pas pensé à ça. Boum, vas-y, pas sur ce truc-là, on essaye sur ça. Et il faut quand même rebondir, sinon tu fais un film mécanique, et j'ai rien contre la bande dessinée, mais c'est dur de retransmettre le mouvement en bande dessinée. Ouais. Et un storyboard, tu n'as pas de mouvement. Et le cinéma, c'est un art de mouvement. Depuis le premier film muet, c'est un train qui arrive vers nous. Tu vois, de Louis Lumière, c'est un train qui vient vers nous. Et les gens ont eu peur. Ah, ils sont barrés de la salle. Ils se sont barrés de la salle. Et ça, c'est l'essence du cinéma. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours... Et c'est pareil avec Gérard. C'est avec, quand on arrive avec Vincent, avec Cassel, donc on est d'accord sur le scénar et tout. Et tous les matins, on prend le scénar, on prend la scène qu'on doit tourner. Et on a un stylo et fait, qu'est-ce qu'on va supprimer comme phrase? Qu'est-ce que je peux exprimer avec mon jeu, avec mes yeux, avec mes mains, avec ma bouche, en me levant, en restant assis, en restant stoïque? Et tu fais comme ça et tu fais tic, tic, tic. C'est ça le cinéma, pour moi. Tu vois, j'adore la littérature, le cinéma n'est pas de la littérature. J'adore la peinture, le cinéma n'est pas de la peinture. C'est un art de mouvement. Et c'est pour ça que, on va dire... Moi, j'aime vraiment tous les films, hein, de Cazavette à Jarmusch, à Richard Donner. Vraiment, je suis vraiment bon public, tu vois. Et je pourrais citer des Français, tu vois, Boukrieff, Éric Bénard, Paul Hallydès, tu vois, Desplechin. Vraiment, je suis assez ouvert, quoi, tu vois. Mais ça reste un art de mouvement, quoi. Ça reste un art de... Et Jerry fait ça aussi. Ouais. Hop, là, ça, bing, bang, bang, bang. Oui, mais ouais. Mais ouais. T'as pas besoin d'être explicatif parfois, tu as juste besoin de ressentir, tu vois. We have no radio. I don't know what island we're on. J'ai lu un jour une critique stupide comme quoi il n'y avait pas de scénario. Le mec, pas de ce film-là, hein. Le mec a pas... Et c'est de qui il parlait? Le dernier Mad Max. Oui, non, oui. Mais ce scénario est incroyable. C'est pas parce que ça ne parle pas. Ouais. Tous les trucs, il va chercher la balle là, tac, c'est, tac. C'est exactement ce qui a été reproché au dernier Avatar. Les gens confondent simpliste et simple. Voilà, simpliste et simple. Exactement. Mais le film de le dernier Mad Max, George Miller, c'est du cinéma pur avec un scénario hyper balèze. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Visuel, en fait. Mais oui, c'est ça qu'ils ne quittent pas. Tu vois? Et ça, c'est pour moi, c'est un hommage au cinéma, mais même du cinéma muet. Parce que tu peux couper le son. Alors évidemment, ça va moins vibrer les bagnoles. Mais c'est ça l'art cinématographique. Nous ne sommes pas de la littérature, nous ne sommes pas de la peinture. Vous l'avez vu le dernier Chazelle? Non, de j'ai pas vu. Incroyable. Non, j'ai pas vu. Incroyable. Oh, mais je suis sûr. Ah non, mais c'est incroyable. J'ai pas vu. Tous les auteurs, le cinéma que vous aimez, vous avez une filmographie qui est vraiment très atypique, monsieur Richet, c'est que j'ai l'impression que vous avez aussi une certaine facilité. Capacité d'adaptation, vous êtes capable de faire des films avec des sujets sociétaux, des biopics, des comédies romantiques, des films d'époque et des gros films d'action. Vous tournez en France, aux États-Unis et en fait, moi j'aimerais savoir comment vous arrivez à avoir cette aisance de pouvoir jongler. Vous êtes quand même l'un des rares en fait à faire ça.
je trouve. Hein. Je sais pas, aujourd'hui, dans le paysage français, il n'y a pas beaucoup de réal qui peut aller passer d'un genre à un autre et d'un pays à un autre. Vous savez, en termes de prod. Comment on y arrive ? Je crois qu'on est toujours son premier film. Ouais. Et par exemple, ouais, je crois qu'on est toujours son premier film où qu'on aille. Et par exemple, je pense que Mayday est mon plus proche de mon premier film. Parce que déjà d'une, mon premier film était un ovni. Et celui-là, même si on va le remettre dans les années 90, c'est quand même un ovni avec toute la production, ce qui se passe, qui est soit super-héroïque, soit très bien-pensant. Mm. Et il y a quand même un acte, pas, je dirais pas le sujet du film, mais de quoi ça parle, comment ça parle, que ça parle aux tripes, que justement on n'est pas dans la bien-pensance, on n'est pas dans les quotas de je sais pas quoi, on n'est pas dans les trucs. C'est, il y a un acte de résistance dedans. J'essaye toujours d'avoir un acte de résistance, mais... Et puis surtout, alors ça c'est inconscient, j'aime bien aller... Tu sais, c'est, moi, je ne suis pas un boxeur, mais j'imagine qu'un boxeur, il va s'ennuyer s'il a toujours la même personne qui doit combattre. Et moi, j'aime me confronter à, tu vois, t'as vu, j'emploie le mot confronter, à un sujet, à un acteur, pour le meilleur, tu vois, c'est un travail d'équipe, mais j'aime assez ça. Non, mon prochain film, il n'a rien à voir. Évidemment, il y aura de moi, et puis ça sera aux critiques de le dire, tu vois, c'est... Évidemment, il y a une approche. D'ailleurs, les Américains sont assez... Ils arrivent à choper des trucs, parce que peut-être qu'ils ont plus de recul sur mes thématiques. Mais, et puis surtout, j'aime bien les personnages qui disent non. Tous mes personnages disent non. Même quand c'est maladroit, quand ils sont maladroits, par exemple, comme le moment d'égarement. Alors, Vidocq, il dit non. Meryl, il dit non. C'est des personnages qui se révèlent dans... C'est, pour moi, dire non, c'est le début de la liberté. Mais ça peut être aussi le début de la bêtise. Hein. Donc... Ouais. Il faut trouver le juste équilibre. Ah bah dans le moment d'égarement... Ah bah il dit non, il le fait qu'une fois. Oui, ouais. Mais il se laisse aller quand même. Hein ? L'homme est faible. Mais il se le reproche. Mais surtout ce qui est intéressant, tu sais, c'est toujours pareil, c'est comment tu vois un film. C'est que c'est pas lui le moteur de l'histoire. C'est elle la plus forte. Bien sûr. Tu vois ? Et ça m'avait plu, ouais. Ça. Parce que ça aurait été un mec qui décide et un mec, tu vois, ça m'intéresse plus. D'une, c'est plus l'époque, puis ça m'intéresse pas. J'aime que c'était sa fille qui décide. Ouais, mais c'est l'homme qui est toujours faible en fait face à ça. Bah ouais, on est faible. Bah ça c'est sûr. Dans le quotidien, c'est... Tu sais, même par rapport à l'éducation des enfants, hein, tu sais, pour moi, la maman, c'est la maman. Et moi, j'ai été élevé par... Je suis un fils à maman, hein, je ne connais pas mon père. Elle a élevé 3 enfants tout seul. Et je le vois, là, tu vois, avec ma femme, on a un enfant de 5 ans, une fille qui s'appelle Eugénie. C'est moi le maillon faible. Heureusement qu'elle est là. Ouais. Elle demande un truc, elle ne demande même plus à sa mère. Elle sait que c'est moi qui... Et moi, des fois, j'ai envie de dire non. Je dis, bon, on va demander à ta mère. Tu vois, je vous rassure, c'est la même chose pour toi. Ah, c'est la même chose. Alors, tu vois, c'est... Je vais faire le... Ma fille, moi, je demande pas à maman parce que je sais qu'elle va me dire non. Bah oui. Papa ou pas ? Bah oui. Tu peux jouer à la Nintendo Switch, papa ? Alors, par contre, je suis intransigeant, il n'y a pas d'écran chez moi. Ah ouais ? Ah non, elle n'a pas accès aux écrans. Le week-end ? Non. Non ? Non. Bon, moi, je pas d'écran. Elle lit énormément, mais le week-end quand même, ils ont droit un petit peu. Faut pas elle a 5 ans, non, elle n'a pas d'écran. Non, alors 5 ans, je comprends. Mais, elle a vu des choses déjà quand même. Hein. Mais on sélectionne vachement. Oui, bien sûr. Oh là là. 5 ans, c'est normal. Nous aussi. Oh là là. On était un peu. Elle a voulu voir Mayday, là. Évidemment que non. Mais non. Parce que les scènes d'action de Mayday, bah, j'y trouve vachement. Alors, c'est un film d'action vraiment avec l'esprit années 80, 90. 10, ouais. Mais je trouve que les scènes d'action sont très contemporaines. La scène de baston de Butler au début. Le sniper. Ah, bah non, mais le but, c'est que ça soit contemporain. Ah, aussi, ouais, c'est pas qu'on se dise, ouais, c'est à la manière de 90, mais c'est pas un film des années 90. Bien sûr. Tu vois, le rythme, c'est pas le même. Ouais. Mais ouais, il y a cette. C'est viscéral comme les films d'aujourd'hui. Oui, c'est le mot. Et moi, c'est ça, je voulais parler aux tripes. Je voulais parler, ouais, viscéral. Tu sais, et je peux aimer des films comme ça, mais j'ai pas envie de les faire. Tu sais, c'est. Je pense. Je pense que... Alors, laisse-moi tranquille. Et tu vois, moi, j'aime les personnages. Et d'ailleurs, ça, c'est mes films sont comme ça. C'est que je dis toujours... J'aime bien les personnages qu'on accule à des murs. Et à un moment, ils ont besoin de griffer pour sortir du piège. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes questions philosophiques. Mais parce que je crois que dans la vie, d'avoir des grandes questions philosophiques, on peut en avoir, tu vois, avec des amis et tout. Mais à un moment, c'est nécessité fait loi. Tu vois, tu peux avoir des grandes... Par exemple, là, je vois ce qui se passe en Ukraine. Ils ont des grandes questions philosophiques, tatata. Oui, à un moment, c'est la guerre. Le truc, il est simple. On doit protéger les enfants. Pour protéger les enfants, ils doivent sortir. Ils vont en Pologne, les femmes les accompagnent, les hommes, ils restent. Les hommes, ils n'avaient pas le droit de sortir de la frontière. Et ils restent. Et ça, c'est normal. On n'est plus dans les trucs, parité. Non, non, non. La femme est essentielle pour son enfant. Alors, je dis ça parce que je suis un fils à maman aussi. Hein.
La femme est essentielle pour l'enfant. L'enfant, il faut le protéger. Allez, 2 millions en Pologne, en Allemagne, un peu en France. Et c'est normal. Et les hommes, on bloque les Français et ils défendent. Eh ben, je suis désolé. Je suis peut-être old school, je suis peut-être réac, mais je trouve ça normal qu'un homme, il reste et que les femmes et les enfants, on les protège. Et qu'un homme, il reste pour défendre sa liberté, enfin son pays, tu vois. Parce que nous, on a oublié qu'il y a des ancêtres hein, qui sont morts pour qu'on puisse faire les zouaves au cinéma. Tu vois. Et toi, la transmission d'où on vient, c'est aussi par rapport au cinéma, tu vois. On peut dire, oui, l'école était mieux il y a 40 ans et sans passer pour un réac. Parce que c'est une réalité, ou alors t'es stupide. Tu vois, on peut dire, ah, on était trop loin là, comment on peut faire pour... Et surtout pour les enfants, en fait. Et je dis ça parce que j'ai une fille, tu vois. Avant, j'avais conscience que, d'une façon vague. Mais là, non. Tu vois, qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants, tu vois. Ça, c'est important comme question. We have one chance. And that is me flying us out of here in this thing. Listen. If I didn't believe it could be done, I would not put you guys back on that plane. I have a daughter, and I have every intention of hugging her again and making it home. And I'm telling you that the way home is on this plane. Oui, et dans ce film, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un bel équilibre entre. Enfin, vous avez pris le temps quand même de nous raconter ce qui se passe dans l'avion avant d'atterrir. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre. Et le crash aurait pu être juste un prétexte. Et finalement, on passe quand même du temps avec ce qui se passe à bord. Vous prenez le temps, effectivement, de mettre en place. Et c'est ça aussi que j'ai plutôt bien aimé. C'était important pour vous, justement, d'avoir toute cette narration avant le crash. Ben, moi, on parlait tout à l'heure, toi, des différences et tout ça. Et le cinéma, il faut un processus d'identification assez rapide avec le personnage principal, avec le protagoniste. Donc à un moment, il faut qu'on le connaisse pour qu'on puisse souffrir avec lui. Ouais. Et j'ai toujours un peu, et je l'ai fait là parce que, pas avec les personnages qu'on a exploités, mais moi, j'aime pas les morts à la chaîne. Alors là, les méchants sont des méchants, d'accord, oui. Parce que c'est le genre. Mais quand il tue son premier mec, puisqu'on s'identifie au protagoniste, je veux ce temps d'arrêt. Oui. Ou à un moment, il se dit, merde. J'ai tué un mec. Alors, il n'a pas eu le choix. Et je pense que si on avait la condition physique de ce mec, on l'aurait fait. Sinon, c'est toi ou lui. Et moi, j'aime ces films-là où à un moment, on n'est plus dans le... Tu sais, oh, pourquoi il a fait ça? Mais il n'a pas le choix. Je reprends l'exemple de l'Ukraine. Ils n'ont pas le choix. On n'est plus dans les grandes questions philosophiques. Non, c'est bing. Ah non, mais c'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie. Et c'était comme ça sur Asso, c'est comme ça sur l'Empereur de Paris, c'est comme ça... J'essaye toujours de ne pas instiller une morale. J'essaye toujours que... Alors évidemment, je veux que les bons, ils gagnent. Mais les bons, ils sont un peu gris quand même. Ouais. Ils sont transformés par l'action, par ce qu'ils ont vécu. Et je ne veux pas être moralisateur. Moi, j'en peux plus, moi, de ça. Okay. Tu sais, les acteurs qui arrivent et qui te font la morale. Ils arrivent, ou les réa par leur film. Ah, je vais vous expliquer, ah là, tu penses mal. Ah, tais-toi, moi je me lève à 6h du matin, je conduis mon taxi 12h par jour, tu vas pas me dire que je pense mal. Ou toi, ouais, pourquoi tu fais ça? Je vais pas faire un concert dans cette ville. Non mais oh, t'as vu ça où là? T'as des gens qui bossent comme des chiens, tu peux leur apporter un peu de plaisir, et sous prétexte. Et en plus, le mec il a été élu avec, je crois, 1/5 de la population, quoi, parce que maintenant les gens votent plus. Ouais. Donc tu vas punir les. Alors déjà, tu vas en punir tout le monde, c'est débile, mais tu vas punir ceux qui n'ont pas voté. Non mais attends. Et moi, vous pouvez aller voir mon film, je m'en fous pour qui vous votez. Je m'en fous de quelle religion vous êtes. Je m'en fous de quel sexe vous êtes. Je m'en fous. Voilà. On passe un bon moment. Parce que si nous, en tant... Alors, je vais dire employer des grands mots que j'aime pas employer en tant qu'artiste. Si nous, en tant qu'artiste, on veut pas réunir les gens, au moins dans une salle, non, mais à quoi on sert? Non, mais à quoi on sert? Non, mais à quoi on sert? Bah, vous êtes là pour nous divertir. Donc c'est mais bien, on est là c'est pour divertir les gens. Bien sûr. On peut aussi apporter un peu de réflexion, parfois. Quelle prétention, déjà. Mais on peut... Sur Mérine, on aperçoit qu'on peut aussi faire réfléchir sur une époque, etc. Parfois, on peut le faire. Mais si c'est au dépend de la distraction... Tu sais, la distraction, c'est juste... Je ne m'ennuie pas. C'est ça, le truc. Notre métier, mais j'ai envie de te dire, chanteur, acteur, peintre, danseur, tu vois, c'est ça. Tu vois, moi, j'amène ma fille à voir des... Lac des Cygnes, des trucs comme ça. Mais
c'est passionnant. Ma gamine, elle a 5 ans, elle adore le lac des Cygnes, elle adore tout ça. Elle se pose pas la question. C'est juste, je m'ennuie pas. Tu vois, ouais. Et si elle s'ennuie, elle dit, papa, je m'ennuie. Et bien, je vais pas lui dire, on va racheter, hein, parce que c'est super intelligent comme truc. Je vais pas lui dire ça. Ouais. Tu vois, je m'ennuie, ben, on s'en va. Et là, je reste, c'est super. Tiens, c'est vraiment, c'est simple la vie. Tu t'ennuies, tu t'en vas, tu t'ennuies pas. Arrêtez d'acter. Tu sais, je lis parfois sur certains films, plaisir coupable. Mais t'es coupable de quoi? tu kiffes pas. C'est simple. Après, tu peux dire, j'aime avec des réserves, j'aime pas avec des réserves. Ça, faut juste être. Ouais, parce qu'effectivement, on a ce rapport par rapport aux autres, on se dit, ah bah, là là, oui, ouais. Bah oui. Ah oui, là, mais tu sais, non, mais peut-être que je suis vieux, mais j'en ai plus rien à foutre de ça, moi. C'est savoir comment tu. Tu sais, moi, je vais te dire un truc, tu. Moi, peu importe, par exemple, je te prends un. Et d'ailleurs, ça me gêne pas, mais peu importe ce que tu fais, moi, j'étais en banlieue, j'étais à l'état des lieux, ma cité va craquer. Encore pour maintenant, pour certaines personnes, je suis encore un mec à casquette, hein, avec une casquette Lacoste. Hein. Enfin, j'ai 55 ans, tu vois, je suis plus en banlieue. Bon, il est loin, le Richet de ma cité va craquer quand même. Ouais, il est loin, et en même temps, il est toujours là, tu vois, on est loin, mais c'est comme tout, tu vois. Est-ce que toi, tu es loin de ce que tu étais quand tu avais 25 ans? Oui et non. Et puis, oui, c'est pour tout le monde. Et puis après, si tu ne changes pas, et puis que la société change, il y a aussi un problème. Donc, il faut une évolution, sans se trahir. Tu vois, moi, par exemple, je ne ferai jamais un film pour de l'argent. J'ai eu le privilège de pouvoir choisir. Bon, tu vois, je peux faire une plateforme et je prends le double. Ou des pubs. Mais je prends encore plus. Je n'ai pas de pub, pas de trucs. Je ne dis pas que j'en ferai pas. Tu vois, mais sa priorité, c'est des films que j'ai envie de faire, tu vois, et puis voilà, tu vois. Et puis, je crache pas sur les gens qui font ça pour la thune, c'est pas ça, mais le moteur, mon moteur, c'est pas ça, tu vois. C'est pour ça que je peux défendre mes films, et puis il y a des gens qui peuvent les aimer, pas les aimer, et puis même, on peut en rater, hein. Et puis des fois, on a des bonnes surprises, on peut en réussir plus qu'on croyait, grâce au public, on le sait, tu vois. Enfin, c'est le cas pour Mayday. Pour Mayday, absolument. Ouais, tu vois, honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose, dans le sens que je ne savais pas, puis voilà, je suis content. I send your list. Captain Brody Torrance. Captain Torrance isn't here. Where is he? Alors, on me dit qu'on a court de temps. Dernière question, bah, du coup. Tu peux. Dernière question. C'est quoi votre prochain film? Est-ce que vous pouvez déjà en parler? Non, j'ai pas signé. Ouais, j'ai pas signé. Moi, c'est bon, j'ai signé. Enfin, j'ai pas signé d'ailleurs, mais je vais le faire. En France? Non. Toujours aux États-Unis? En Europe, un film américain. D'accord. Un film qui se passe après la Seconde Guerre mondiale dans une Europe complètement détruite. Le film s'appelle Ruine, pour te dire. Vous en êtes où, l'écriture? Non, il écrit. Ah ouais, les acteurs ont dit oui, ils n'ont pas signé, donc je ne peux pas en parler. Alors, c'est okay. Une très grande actrice française et un très grand acteur américain. Enfin, un très grand acteur international, ouais, américain même, je crois. Je ne suis même pas sûr, hein, international. Et si ça se fait, ce serait quand le tournage? Juillet-août. Ah ouais, déjà? Ouais, juillet-août. Le scénar est vraiment bien. J'ai rien écrit dans le scénar. Je dis n'importe quoi, j'ai réécrit des scènes. La première scène, d'ailleurs, elle est incroyable. Avec la retraite des Allemands, avec les Russes qui arrivent avec des tanks. Et ils brûlent tout le village. Et... C'est encore un autre. Ouais, mais c'est un autre truc pour vous, en fait. Parce que mais c'est pareil, c'est des individus qui doivent survivre. C'est une histoire humaine avant tout. Ouais, c'est des individus avec un duo improbable. Ok. Entre un Allemand et une femme qui a souffert des camps. Et c'est incroyable. D'accord. Okay. Je l'ai pas écrit, donc je peux te dire. Ah ouais? Ah non, mais. Très bien, bah merci en tout cas, monsieur Jean-François Richet. Merci pour cette interview. Ouais. Et c'est moi qui vous remercie. Et puis, allez voir Mayday, parce qu'effectivement, ça sort le 25 janvier. Un bon film, voilà, esprit années 90, avec de belles surprises aussi, à côté bien viscéral, qui prend au trip, comme vous l'avez dit. Voilà, merci. Moi, j'ai vraiment bien aimé aussi, donc je ne m'attendais pas. Aussi efficace que ça. Ah, bah merci. Très, très, très bon film, très bon moment. On aura peut-être un 2, on ne sait pas. Ah petite info. Merci, monsieur. Merci, c'est moi qui te remercie. J'ai une fille et j'ai toute l'intention de faire une maison.
They're gonna come at us with everything they've got. We're getting off this island.